Lecture du livre des Nombres, chapitre 14, versets 13 à 25. Moïse dit au Seigneur: Les Égyptiens ont appris que c'est ta puissance qui a fait monter ce peuple de chez eux. Et ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Ceux-ci ont appris que toi, le Seigneur, tu es au milieu de ce peuple. Que c'est toi, le Seigneur, qui te montre à eux les yeux dans les yeux. Ta nuée se tient au-dessus d'eux. Toi-même, tu les précèdes le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Et tu ferais mourir ce peuple comme un seul homme. Alors les peuples qui ont appris ta renommée diraient: Le Seigneur n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis. Voilà pourquoi il les a massacrés dans le désert. Dès lors, que la puissance de mon Seigneur se déploie, puisque tu as parlé en ces termes, je suis le Seigneur, lent à la colère et plein de bonté fidèle, qui supporte la faute et la révolte, mais sans rien laisser passer, et qui poursuit la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations, pardonne donc la faute de ce peuple, autant que le commande la grandeur de ton amour, et comme tu as supporté ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Le Seigneur répondit: Je pardonne comme tu le demandes. Cependant, aussi vrai que je suis vivant, aussi vrai que la gloire du Seigneur remplit toute la terre, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert, et qui m'ont mis à l'épreuve 10 fois déjà en ne m'écoutant pas, aucun d'eux, je le jure, ne verra le pays que j'ai promis à leur père. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, parce que notre esprit l'anime et qu'il m'a suivi sans hésitation, je le mènerai dans le pays où il est allé. Ses descendants en prendront possession, tandis que les Amalécites et les Cananéens demeureront dans la plaine. Dès demain, tournez-vous pour repartir vers le désert en direction de la mer des joncs. Dur, dur constat pour les Israélites, n'est-ce pas? On s'en rend peut-être pas compte, mais cet épisode-là du peuple des saints constitue probablement un des pire coup du destin contre lui. Tout comme l'exil à Babylone qui a duré près de 70 ans, l'impossibilité d'entrer au pays promis est un événement mentionné plusieurs fois dans les Écritures. Imaginez-vous donc, après une promesse de liberté, l'élection de Moïse qui a guidé le peuple, la cavale des Hébreux qui passe par la mer Rouge à pied sec, l'eau qui se referme sur les cavaliers égyptiens, et sans compter non plus sur le fameux don de la loi, les scènes extraordinaires au mont Sinaï, comme dans le film Les 10 commandements, l'effondrement des murs de Jéricho, puis j'en passe et j'en passe et j'en passe. Voilà maintenant que le peuple se trouve au pied du mur. Tout ça, oui, tout ça pour ne pas entrer dans le pays. Ça fait dur, méchant pétard mouillé, hein? Tant bien que mal, les auteurs bibliques ont essayé d'expliquer ce désastre-là. Ce serait pour les uns les péchés du peuple qui ont conduit à cette punition. Pour d'autres, celui de Moïse, tiens.
N'en reste pas moins la déception et la honte du peuple qui doit se demander maintenant à quoi aura bien servi leur exode. Hein, entre vous et moi, si Dieu se plaint des murmures du peuple, eh bien, il n'a pas fini de les entendre. Vous savez, cette histoire-là est bien sûr éloignée de la nôtre, autant au niveau de l'époque que des soucis. Contrairement aux Hébreux, on n'est pas en exode, nous autres, essayant de trouver une terre où habiter. Ce récit-là ne dirait pas grand-chose, bien honnêtement, à une population blanche et canadienne, comme moi. Mais pourtant, la thématique de la déception et du deuil d'un rêve ne nous sont pas complètement inconnues. Des déceptions, des deuils, on en a tous et toutes vécu à différents niveaux. Pour certains, et bien sûr, il est bel et bien question de la perte d'êtres chers. Des pertes qui sont toujours inattendues et qui bousculent complètement la dynamique d'une famille et qui, sur le coup, nous renferment dans le mouvement de la peine. Pour d'autres, comme moi, le récit du peuple hébreu peut nous rappeler notre histoire de vie personnelle, où est-ce qu'on a cultivé plusieurs attentes qui se sont révélées être déçues. Chacun et chacune de nous avons porté des rêves auxquels nous accordions certitude, puisque nous y voyons alors la bénédiction de Dieu qui nous disait d'aller de l'avant. Quelle déception pour nous de nous retrouver devant une relation inopérante, un domaine d'études où on accumule les échecs imprévus, une profession qui, malgré tout ce qu'on pouvait anticiper, nous a fait finalement bien souffrir. Tout comme Moïse et les Hébreux, quelle déception pour nous que nous faire dire, ben, dès demain, tournez-vous pour repartir vers le désert. Ce feeling-là, on l'a tous déjà vécu, moi y compris. Et j'en sais quelque chose, car lorsque j'ai eu mon entrevue mardi, avec le conseil des candidatures, on m'a posé l'inévitable question. Qu'en est-il, Jean-Philippe, finalement, de tes aspirations à l'aumônerie militaire? Et à moi de répondre tout simplement que, ayant essayé pendant le temps d'un été, je me suis simplement aperçu que j'étais pas à l'aise dans ce milieu-là. Et qu'on poursuit finalement des objectifs différents. Vous savez, c'est une aspiration qui m'a accompagné depuis que j'avais 14 ans et qui se termina dans cette impression-là de se ramasser face à un mur. Des échecs comme celui-là et comme bien d'autres, c'est difficile à avaler. Pourtant, je crois qu'il reste quand même du bon à ces aspirations-là qu'on a eues. Il reste, à quelque part, notre beau parcours, ces rêves qui ont duré certes le temps d'un été, mais qui nous ont accompagnés et encouragés tout le long de la route. On a grandi à travers nos aspirations, et ce, tout en étant accompagnés du Seigneur. Tout comme nous, le peuple a grandi en maturité. Il a appris à se définir et à se prendre en charge, et ce, toujours dans le sillon de l'amour de Dieu. Nos échecs, nos déceptions, ce ne sont pas des malédictions ou des cul-de-sac dans lesquels nous sommes condamnés. Si le peuple
Fut accompagné du Seigneur tout au long de la route vers le pays promis, alors il l'a été tout autant sur le chemin du retour. Vous savez, les témoignages bibliques nous rappellent avec raison que le chemin proposé par le Seigneur en est toujours un de vie et non pas de mort. Peu importe nos défaites, nos déroutes, nos échecs, ou nos ruptures, il y a toujours une suite au plan de Dieu pour nous. Comme la nuit laisse place au jour, comme l'hiver laisse place au printemps. Frères et sœurs, peu importe nos deuils ou nos errances, rendons grâce à Dieu pour notre vie. Soyons dans l'action de grâce pour tous ces chemins qui nous ont menés jusqu'ici, sages comme irréfléchis, droits comme tortueux. Grâce soit rendue à Dieu, peu importe quoi. Amen.